Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour utiliser ce tampon. Vous savez, les tampons que j'ai eus de la boutique Panda Wall. C'est Panda Wall? Ouais, c'est Panda Wall. Je vais finir par y perdre mon grec et mon latin. On va faire une petite carte. Alors, pour ça, il vous faudra des encres. Alors, moi, j'ai sorti les encres d'action. Ça peut être n'importe quelle encre. Une base de carte, moi c'est une chute, donc elle fait voilà, tout tombe, hein. Voilà, elle fait la chute, elle fait 21/14. Voilà, donc vous la pliez en deux, rien de compliqué. J'ai sorti mes petites brosses. Moi j'en ai tout plein. Petites brosses, voilà. Enfin, tout plein, il n'y a pas non plus des centaines, mais enfin voilà. Mes petites brosses que je vais mettre là. Et puis, les tampons et des encres. Donc, on y va. On va d'abord ancrer tout le tour de la carte. Alors, je vais mettre un peu de marron, de distress. Hein. Ça peut être n'importe quel marron. Voilà. Donc, pour ça, il me faut mon tampon, enfin, mon doigt de mousse. Voilà. Voilà. Et puis, on va ancrer. Rien de... Hein. Vous prenez pas la tête, hein. Vous ancrez vraiment à l'arrache. Eh bien, Béa, c'est toujours à l'arrache avec toi. Oui, j'aime pas le parfait. J'aime bien quand c'est un peu décalé. Hein. Voilà. On fait un peu, hein. On va essayer de faire un dégradé. Après, je vous garantis rien. Mais on va essayer. Parce que... Hein? J'ai petit Floppy qui est pas content. Bah non, parce que son maître, ils sont partis au vide-grenier en Dordogne. Ils sont partis faire un grand vide-grenier brocante en Dordogne. Et il a pas emmené Floppy. Et Floppy, il fait un peu la tête. Hein. Okay. Il doit être dans le jardin de l'autre côté. On a été obligé de fermer parce qu'il fait sa poudre d'escampette. Donc voilà. Cool le petit Floppy, hein. Bon, on n'a pas été beaucoup là, alors il boudasse un peu. c'est normal, hein, c'est un petit chien. Puis il est souvent avec moi, alors là il me voit pas. Qu'est-ce que c'est que ça? La maman elle est pas là. C'est voilà. C'est un peu. Vous pouvez faire aussi l'intérieur. Bon, ça, je dis ça, c'est pour les petites débutants. J'en ai quelques-unes. Voilà. Alors, moi, je le fais au distress oxide, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter du distress oxide, hein, les filles. Hein. Allez pas vous amuser à faire des frais si vous avez celle d'action. Elles font très bien la fête exprès. Hein. Moi, j'ai celle-là, donc je mets celle-là, mais. Allez pas vous amuser à machiner. Ce que je vous suggère, c'est quand vous pliez, de mettre le pli à l'intérieur de votre carte. C'est-à-dire comme ça. C'est plus joli. Et puis voilà. Quoi. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Voilà.
nous, on va travailler directement sur le sur la carte honnête. Hein. Enfin, sur le, la carte. Quoi. Sur ça, ce que vous pouvez faire, c'est faire un matage aussi. Hein. Alors, un matage, c'est quoi? Et ben, c'est tout simplement quand vous mettez un papier décoré en dessous et puis que vous patouillez dessus. Quoi. Enfin, vous faites votre carte dessus. Voilà. Voilà. Donc, hop. Voilà. Hein. Voilà. Donc, elle est toute ancrée. D'accord. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Hop. Vous appuyez avec un plioir. Je pense que tout le monde a cet outil-là. Voilà. Quand c'est des feuilles d'action, faites attention que ça se... Bah, se déchire pas. Hein. Là, moi, sur un papier DCP. Hein. Alors, ensuite, on va venir prendre donc nos petits fameux petits brossouilles. Là. Alors, les petites brossouilles, ce sont des petites brosses. Alors, en ce qui me concerne, les miennes, je les ai achetées chez je sais plus qui. Hein. Il y en a de chez Action, il y en a de... Voilà. Alors, on va prendre de quoi faire une espèce, je dis bien une espèce, de coucher de soleil. Donc, on va prendre dans les jaunes. Voilà. Un jaune. Un rouge orangé. Voilà. Et puis, on va prendre un violet. Mais alors, celui-là, il me paraît un peu foncé comme violet quand même. Hein. Il n'y a pas moins foncé. Qu'est-ce que je vais prendre comme violet? Non, bah tant pis, je vais prendre celui-là. Bon, on verra bien. Allez, on y va. Voilà, alors j'ai pris le numéro 54 de chez Action, le numéro 13 d'Action et le numéro 15 d'Action. Voilà. Donc, on va commencer par le jaune. Allez, on prend un peu de jaune. Et puis on va mettre un peu de jaune. Voilà. 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 Bon, jusque là, hein, rien de bien sorcier. Hein. Voilà. Un peu de jaune. On va y mettre, faudrait un rond. Alors attendez, je vais vous faire un rond. Voilà, on prend, on se prend pas la tête. Hein. Voilà. J'aurais pu le faire avec un die. Mais bon, allez, hop. On fait un espèce de rond. J'ai bien une espèce. Il y a des espèces bizarres chez Bia. On ne tracassez pas. Il y a toujours des choses un peu... Ouais, bah mon rond, il n'est pas très rond. Hein. Voilà. Hop. Ouais. Bon, c'est pas très rond. Hein. Mais ça fera l'affaire. Voilà, on le met là. Et puis, on va prendre du orange. On va venir tourner autour. Voilà. Hop. J'aurais pu mettre du washi. Hein. Ça aurait été même été plus intelligent de ma part. Voilà. Voilà. On tire avec le pouce.
Mais on tourne. Et on tourne. Voilà. Voilà. On met un peu d'orange en bas. Voilà. Et puis on va prendre un peu de violet. Allez, on remet le petit rond. Tiens. Voilà, voilà, voilà. Hop, on tourne. On en met un peu là. Pour faire ressortir un peu la lune. Puis on va mettre un peu dedans. Voilà. On enlève la lune. Et on continue. Voilà. Et puis on va aller dans les tons verts d'eau. Allez, on va prendre du vert. Voilà. Allez, dans les tons verts. Alors, dans les tons verts, on va mettre un vert foncé en bas. Enfin, foncé. Alors, c'est le numéro 25. Moi, je décharge à côté sur un petit bout de papier, hein, pour éviter que ça vous fasse des marques. Parce que tout à l'heure, ça m'a fait une marque. Donc, voilà. 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 Et puis, on va mettre un peu de vert clair. Un vert comme ça. Et le numéro 01. On passe le truc. Voilà. Et un peu de vert. Comme ça. Voilà. Ça, c'est ni plus ni moins de l'ancrage. Hein. C'est rien, il n'y a rien de... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, on range ça parce que c'est pas le tout, mais on n'en a plus forcément besoin. Donc, on range les jaunes, on range le orange et on range le bleu. Allez, hop. Voilà. Alors, on sort une planche à tamponner parce que c'est plus simple. Voilà. Moi, j'ai celle de Tmall, ce qui m'a été offert par mon beau-frère il y a quelques années de ça. Non, c'est comme ça.
Par contre, elle ne veut plus tenir. Je sais pas pourquoi. Enfin, bon, bref. Voilà. Et on va mettre notre carte. On va la tenir avec des petites... des petits aimants. Voilà. Rien de compliqué. Et on va venir faire donc notre tamponnage. Voilà. Alors, je prends le tampon. Et puis, on va venir faire ce qu'on a envie. C'est-à-dire que je vais mettre ça là. Je suis pas dans le bon sens. Voilà. Vous faites comme vous en avez envie. Voilà. Et puis le tout petit. Voilà. Comme ça. Ensuite, nous allons y mettre donc on verra après. On va déjà faire ça. On va les coller. Normalement, ça colle très bien. On va prendre du vert. On va prendre un verre comme ça, 25. Hein? On va voir ce que ça donne. Alors, par contre, j'ai jamais tamponné avec les trucs d'action. Hein? Je vois ce que ça va donner. On verra bien. Si c'est moi, je n'aurai pas la vidéo. Voilà. Hop. Hugues, j'ai dit. Alors, on se lève. Et on appuie. Faudrait que je m'achète le petit appareil. Voilà. Hop. On enlève. C'est pas mal. Bon, la fleur, elle me plaît pas trop, mais voilà. C'est pas grave. On va faire avec. On va prendre. On va reprendre un autre verre. Allez. Pour changer un peu, on va mettre ce verre-là. Ou celui-là. Hein, 26. Il me plaît bien celui-là. Voilà. Allez. On remet dessus. Voilà. Pas partout. Voilà. Et on retamponne. Voilà. Voilà. Ça se voit pas beaucoup. On va prendre qu'est-ce qui pourrait ressortir là-dessus? En fait, il faudrait quelque chose de foncé. Un violet. Bah ouais, pourquoi pas. Allez, un petit violet. Hop. Et c'est le numéro 53. Voilà. Ah, ben oui, bizarre. Ça fait très moche. Bon, ouais, c'est pas grave. On va s'en débrouiller. Hein, donc, pas de panique. La lingette. Alors, par contre, alors le problème des encres d'action, en fait, hein, c'est que elles sont pas forcément elles tâchent les tampons, en fait. Voilà. Moi, je voudrais la truc noir là. Ça. Eh ben voilà, on se voit que c'était du noir. Hein. Voilà.
Heureusement que mon t-shirt est noir. Hein. Voilà. Et voilà! C'est réparé. Donc les encres. Wow. Les encres s'attachent. Hein. Bon, bref, c'est pas grave. On va les remettre sur leur support. De toute façon, moi, je les revends pas. Hein. Je les garde pour moi. Mais c'est vrai que les encres d'action, ils tachent. Enfin, certaines couleurs tachent. Pas tous, mais il y a des couleurs qui tachent énormément, comme le vert, par exemple. Mais bon, bref. C'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je les garde. Donc, voilà. Et puis, on va venir lui mettre une petite fée. Alors, une petite fée. Une petite fée. J'ai envie de la mettre là. Ma fée. Ouais. Là. Voilà. Et puis, je vais prendre du noir. Voilà. Voilà. Allez, juste toi, attends. Et on vient tamponner. Nickel. Le premier coup. Voilà. C'était pas merveilleux, la vie. Hein? C'était pas merveilleux, la vie. On referme. On remet le tampon sur son support. Bon, je vais venir mieux les laver après hein, parce que c'est pas tip top. Voilà, et puis je vais y mettre celle-là. Non. Non. Voilà. Ouais, je suis à l'envers. Ah, bravo. C'est là ou... Non, mais je... Ouais, c'est là. Allez, on la colle aussi. Voilà. On va pousser le truc là. Et puis on va remettre les... Voilà. Et on va dire. On va mettre ça. Voilà. Nickel. On nettoie. Voilà. On l'enlève et on la remet sur son support que j'ai mis là. Voilà. Puis j'ai des petits papillons là, tout chou. Tout chou, tout chou. Voilà. Allez, viens là, toi, pépère. Et alors, un comme ça, un et un là. Hop, on ferme. Et on recommence. Et on vient nettoyer le bord. Ça, on colle pas partout sur ma... Quand on colle pas partout sur la carte. Voilà. Et hop. Voilà.
Nickel. Nickel. Allez, on remet les petits papillons. Et évidemment, j'ai une mouche. Pour embêter le monde. Ah, je vous jure, je vous jure. Voilà. Hop. Ça, on la rend. Voilà. Ça, on range aussi, parce que sans ça, ben, ça va être le bazar. Alors, déjà que c'est le brun autour de moi. C'est le brun. Il y en a partout. Il y en a partout. Alors, comme j'ai été fatiguée, j'ai pas forcément rangé tout comme il faut. Donc voilà. Alors ce petit cap, ça peut être fait avec d'autres tampons. Hein. Moi j'ai ceux-là, j'utilise ceux-là, mais voilà. Ensuite, on va prendre. Je vais prendre. Ben, vous savez mon amour pour les petits trucs de perles là. Hein. Donc voilà. Et j'avais envie de rose, alors je vais mettre du rose. J'en ai commandé d'autres, ils devraient arriver. Des nouveaux là. J'en ai commandé d'autres, ça devrait pas tarder. Voilà, et puis je vais en mettre là. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre à cette jolie carte. Manque un petit sentiment. Non, un petit sentiment. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai comme petit sentiment. Un petit sentiment, hein. Oh bah, ici, j'en ai un là. Qu'est-ce que je suis bête. Je vais vous mettre ça là. Allez, hop. Un petit sentiment directement sur la carte. Tiens, ça va changer. Voilà. Hop. Voilà ma petite carte toute simple. Et voilà, une petite carte faite en petite demi-heure. Voilà. Bon, et encore parce que j'ai pas coupé hein, pour l'ancrage. Mais si on sort en un quart d'heure, hop, c'est fait. Hein. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite carte toute simple bah, vous aura plu. Voilà. Et puis, je vais vous faire de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Je vous aime.